monde, c'est Romain, donc aujourd'hui je suis sur mon scooter check de ma 3 départ, donc on va commencer tout de suite avec la part. On commence avec des poignées ici rouges, donc les bouchons ils tiennent pas, mais franchement elles sont assez agréables, elles sont assez épaisses, elles tiennent un bon bouton donc ça va. Ensuite on continue, avec la part, c'est Almastif, les tics noirs. Ouais, ça fait un bas que j'ai déjà. Après on passe on passe au collier de tirage, donc c'est je sais pas ce que c'est en fait, je crois que c'est un blunt mais il est ancien, donc je le repeins vite fait à la voilà. Bon bah il tient, donc 4 bis ça passe quoi. Le JDD c'est un éthique, donc il n'y a rien à dire quoi, c'est un peu tous les mêmes. Après la fourche, donc j'avais une légion mais la snap, donc maintenant c'est une déclare blunt que j'ai repeinte en noir mat, donc elle tient quoi, ça va. Les roues, commence par l'arrière, c'est une roue, c'est un peu sale, mais bon, une roue éthique Mogwai, donc roule moins sont morts, tu vois, c'est bizarre. La roue avant c'est une blunt, normalement les roses je repeins parce que ma roue avant elle a aussi snap, voilà. Deck, Erawen, gris, donc il est un peu fissu à l'arrière, mais franchement ça passe. Il est fissu quoi. Les pegs, c'est des tics UV2, donc vous allez me dire ouais, mais ça c'est pas pour le parc, mais bah, couille, je vais les enlever. Là il a un peu été bouffé par le triple whip, voilà. Et le grip, éthique gros grain, simple. Ouais. Donc voilà, bon ça c'était mon scooter check. Ça c'était mon scooter check park et là on va pas. Non. Attends. Ah non non pardon. Ça c'était le scooter check strip. Donc du coup les pegs. C'est bon. Et maintenant on va passer au scooter check du parc. Donc là c'est la 3 scooter check park. C'est le c'est simple quoi, c'est la 3 du DSC, donc franchement elle est pas mal. J'ai pas encore pu la tester mais c'est à peu près les mêmes dimensions que mon ancien scooter check, donc franchement ça passe. J'ai changé les poignées. Donc moi j'ai une poignée noire réserve, là c'est une poignée glow qui brille dans le noir. Des boucles noires, donc du coup surtout les tiennes et bonnes aussi. La barre, c'est pratiquement la même que mon ancienne, donc elle est bien. Elle est un tout petit peu petite en largeur, mais sinon ça passe. Le coup de tirage, blonde simple. Le JDD pareil, il n'y a même pas de logo. Les roues, c'est des 120 par contre, c'est pas des 110. Les roulements, ils sont tarpins bien aussi. La fourche, je sais pas ce que c'est. C'est une Prodigy. C'est la nouvelle, la Sob. C'est la sub ça? Ouais, c'est la sub. V2? Il me semble. Ouais. V3? Bah, mec, elle a V1, elle a V2. Bon, voilà, bon, non, parce qu'elle est différente. Regarde, il y a un espace là. Bon, c'est une fourche. Et le deck, donc voilà, ça c'est mon truc préféré de la trotte. Bah, comme tout le monde. Le deck Prodigy, voilà. Il est magnifique. Je l'ai pris en candy. Donc, il l'a pris en candy, donc franchement, je vous recommande cette couleur parce que vraiment elle pète. Mais tu vois, elle fait pas trop flashy. Elle est vraiment super. Franchement, comparé à super trotte. Comparé à la couleur splatter, parce que genre ça fait un peu, c'est pas que ça fait gamin, mais genre ça fait un peu enfantin avec les roues qui brillent et tout, tu vois. T'as compris, avec le petit Prodigy là, le deck, elle est toute neuve, j'ai pas encore. Moi perso j'aurais pris une rose fluo s'il y avait, mais non. Ah ouais, la tâche. Rose fluo avec le deck rose fluo. Non, bah, les poignées rose fluo. Rose fluo. Les roues rose fluo et ça en bleu, et sans violet. Wow. Oh là là, vas-y, avec des paillettes sur le grip. Avec des... Bon, vas-y, c'était la fin de. Et le frein. Nylon friend. Nylon. Frein. Nylon break by Blunt Scooter. The by Envy Scooter. Bon, fuck. frein nylon blunt. Non! This nylon break is amazing. But she's he's very break on hard. Pas de temps, pas beaucoup de temps. On never time. Voilà, non, vas-y, il a appris l'anglais, waouh! Oh, damn! Donc c'était la fin de mes scooters check. Maintenant on va passer à quelques petits clips en flat, du coup pas en parc parce que là on est chez moi et on a la flemme de se déplacer. Voilà.